Salut à toutes et à tous, c'est Silence 59 et on se retrouve pour l'épisode 25 de Final Fantasy 12. Non, 10, c'est ma bâche. C'est pas grave. Alors, acheter des équipements. Qu'est-ce que tu me proposes de beau? Attaque physique. Ok. Allez, je sais pas si elle est bien celle-là. 10, ok. Ah, compétence en dessous qui est actuelle. Ça c'est pour qui? Pour Eron. Bon, c'est le même, sauf qu'il y a une barre en plus, ok. Ça je l'ai eu. Demi-glace. HP plus. Pour qui ça? Pour Lulu. Et demi-haut pour Kimori. On prend ça pour Lulu. On va l'équiper tout de suite. Hop. Et je vais prendre pour Eron, je vais changer l'épée. Comme ça, si je mets une compétence en plus dessus, ça va m'arranger. Attendez, j'ai vu. Attendez, magie plus 3, c'était pour qui? Pour là, magie plus 5, attaque obscurité. Ça, c'est bon, ça. Hop. C'était raisonnable. Ouais, t'es gentil. Hein. Wait. It is here, somewhere. What's here? Something you should see. But, Sir Orin. It won't take long. Bon allez, hein. On va le suivre. Ah ouais, ça je m'en rappelle. This place. It's just water, isn't it? This is what spheres are made of. It absorbs and preserves people's memories. What's that? Fiends are also attracted to these places. Bah allez, parti pour un combat de boss là, pour ce niveau 25. Un monstre de vent en plus, donc okay. On va prendre direct Lulu. Hein. Et on va un peu lui griller la cervelle. Ah bah, bah non. It absorbs all spells except its one weakness. Ok. Ah bah lui il est sympa lui. Quitte à ne pas lui redonner d'énergie. Ah bah ok, bah pas de magie. Alors il assemble... n'est pas sensible, faut que je trouve la bonne attaque quoi. Pour l'instant je tape dans le vent, hein, je vous le dis direct. Bah le feu ça fait rien à l'eau. Ah c'est qui m'arrive, bah, je vais prendre Yuna. Je vais redonner des soins tout de suite à mes collègues. À ma collègue plutôt. Juste que je trouve le bon sort. Bah de l'eau, ça fait de l'eau. Je sais pas, mais ce sera un peu débile de frapper avec de l'eau quoi. Ah bah c'est l'eau, bah ok, bah de l'eau contre de l'eau. Ah bon. Ah ok, il change à chaque fois. Ah ouais. Ouais, a priori c'est de la glace, le bleu.
Nous, ça va être un combat d'éléments. Soit on va faire Eron. Oui, c'est de la glace là. J'espère que je me gourre pas, sinon je redonne toute sa vie. Yep, ça c'était bon. Il va rechanger. Là par contre j'ai aucune idée c'est quoi. Il a fait toujours du feu. Donc du coup je pense que ce sera toujours du... Je vais le voler, tiens. Ça c'est toujours aussi bon à faire. Voir ce qu'il y a de beau sur lui. De l'éther, ça c'est bon. Du coup, bah comme je peux pas faire son overdrive, vu que c'est une overdrive de... Oh putain, je prends rien, sérieux. Alors là, j'ai un doute. Il a fait deux trucs pareils, quoi. Ah putain, c'est encore de l'eau. Ok, bleu clair, c'est de l'eau. Ah ouais, ouais. Ah là, ça va être tactique, je vous le dis. Très tactique. Par contre, je lui prends rien comme vie, je vais reprendre Kimari. Ça va faire mal. Foiré. De toute façon, il a fait que deux pour l'instant. Ah putain. Ah ouais, ça je sais, t'inquiète. Bon, on va faire son arcane de dragon. Combat risque d'être très très long. Ouais, je confirme, il risque d'être très très long. Je sais pas si dans les objets je peux le scanner par contre. Ça serait bien parce que j'ai pas de truc de scannage moi. Non, j'ai pas. Putain merde. Je peux pas le scanner en plus. Attaque. Oh, fais chier. Je vais prendre celle-là. Comme ça, je vais savoir combien il y a dans le ventre. On va refaire l'eau. Putain. Bon, bleu clair, c'est de l'eau. Je suis qui là? Je suis Tidus? Ah, on voit pas. Impossible d'analyser. Ok, sympa. J'ai changé d'arme pour rien. Et un gros splash encore. Putain, l'énergie qui pique, sérieux, c'est abusé quoi. Je suis sûr que c'était encore l'eau. Ah, c'est bon. Pour ça, il fait que les deux, l'eau et la glace et l'eau. Ah, mais bah, j'ai perdu Eron. Ah, j'ai de la chance, putain. Ça devient critique, critique, les enfants. C'est con parce que j'ai qu'un magicien blanc, quoi. Ah, bah, il est mort.
Ah non, c'est Lulu, c'est tant mieux. Je vais faire la petite eau, tiens. J'ai l'impression que c'était de la glace. Ouais, putain, c'est de la glace. Ah là 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 là, ça sent pas bon. Ah ouais, j'ai perdu Lulu. Oh putain, c'est bien chaud l'haricot. Je vais faire Aeron parce que c'est celui qui a plus de vie. On n'arrive pas trop à voir. Ah, j'ai fait quoi tout à l'heure? Merde. Putain, oh, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, c'est pas grave. Ah bah j'ai perdu Yuno. Allez. Ah bah non. Je crois que je vais y aller aux attaques physiques, ça ira plus vite. Parce que... je vais faire une perte de temps, mais laisse tomber quoi. Je vais changer Lulu. Je vais aller au physique, ça ira plus rapide. Parce que j'ai fait quoi? Oh oh. Moi que je fais le tonnerre, mais ça m'étonnerait. Bah putain, mais c'est... putain, c'est pas possible, ça arrive. C'est un monstre de merde et je vais me faire défoncer. Ah là 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 là, ah c'est affreux. Bon allez, bah tant pis. Je vais prendre 10 frites. En espérant que j'ai pas de problème de truc, sinon bah, je suis dans la merde. Ah c'est vrai, je l'ai abrégé. Oh bah putain, 8000. Ça c'est... putain, je lui ai fait mal. Ah je l'ai niqué quoi, en un coup. Ok. Ok bah merci, allez salut. La chance de cocu. La sphère de Jet. Ça c'est bien vu. Ah, des clés niveau 2, ça c'est bien aussi. Whoa, this is old. Don't know if you can play it back. Jet left it here 10 years ago. Play it back. Mm-hmm. You taking? Well, you said it was gonna be a long trip. We'll be seeing a lot of neat things, right? So I thought I'd record it all in this. To show to my wife and kid, you know. This is no pleasure cruise. Hey, Braska. Ain't this supposed to be a grand occasion? We're the cheering fans, the crying women. This is it. Too many goodbyes. People think twice about leaving. If you say so. Well, it better be a lot more colorful when we come back. A parade for Braska, vanquisher of sin. We should go. Day will break soon. Auron! Could you stand closer to him? Good. That should do it. What's the matter? Afraid I might bite? Jacked. Braska,
You should take one too. It'll make a great gift for little Yuna. I suppose. Lord Braska, we shouldn't be wasting our time like this. What's the hurry, man? Ugh. Let me tell you what the hurry is. Auron. What's the point? He wasn't on some pleasure cruise. I think there's more. Hey, if you're sitting there watching this, it means you're stuck in Spira like me. You might not know when you'll get back home, but you better not be crying. Although I guess I'd understand, but you know what? There's a time when you have to stop crying and move on. You'll be fine. Remember, you're my son. And, well, never mind, I'm no good at these things. Anyways, I believe in you. Be good. Goodbye. He sounded almost serious, but it was too late. He was serious. Jakt had already accepted his fate. His fate? Jakt, he was always talking about going home to Xanarkand. That's why he took all those pictures, to show them to you when he returned. But as he journeyed with us and came to understand Spira and Braska's resolve, it happened gradually, but Jakt changed. He decided he would join Braska in his fight against Sin. So then, he gave up going home? That was his decision. I guess I understood. My old man, he knew there was no way back home, back to Xanarkand. He wanted to go home, but he knew he couldn't. He couldn't go on until he accepted it. Besides, even if he had found a way back, I don't think he would have left his friends behind before their journey was complete. All right, let's go, guys. Maybe I had to start accepting my own fate. Alors, des sphères enregistrées par Jeff sont disséminées un peu partout dans Spira. Retrouve-les pour revivre 10 ans après son voyage en compagnie de Braska et de Euron. Ah, j'ai appris une nouvelle compétence. Quoi, un nouveau overdrive plutôt. Yeah. Jakt loved you. Oh, come on, please. He just didn't know how to express it, he said. Enough about my old man, okay? I just thought you should know. Okay. Thanks. Voilà, bah les épisodes, ça va se résumer un peu à ça, de la parlotte, du combat, de la parlotte et du combat. Donc là, on a eu le droit à l'épisode de la parlotte, et un petit combat de boss aussi, hein. Faut pas oublier le boss, hein, quand même, qui m'a bien posé pas mal de problèmes. Bon, moi, je vais re-sauvegarder. Puis, on va se dire au revoir sur ce 25e... Attendez, putain, j'ai commencé à... Non, c'est la 24e partie, je m'avance un peu de trop, mais bon. L'important c'est que c'est juste remarqué dans le titre, hein, l'épisode qu'on est. Donc voilà, donc je vous dis tous à la prochaine les potos, salut et jouez bien.